Salut tout le monde, c'est Tosh, je pense qu'à la fishing, comme vous le voyez, je suis sur la route, dans la voiture, avec toutes mes cannes. Parce qu'aujourd'hui, on va pêcher dans un étang privé, dans la région toulousaine. Je serai accompagné de Flo de Fish and Test, du site Fish and Test, dont je vais vous parler très très bientôt. Et puis, je serai accompagné aussi de Léo, de la chaîne YouTube des poissons et du pêcheur, que vous connaissez sans doute déjà. Donc moi, je les rejoins, je viens de rouler 2 heures là, et je suis sur le point d'arriver. Donc il y avait pas mal de route aujourd'hui, mais ça me tarde vraiment d'être au bord de l'eau. À mon avis, ça va être sympa. 200 mètres, tournez à gauche. Enfin, du gros pipe, moi je te dis. Ah ouais, je vais filmer pour le... Oh là là, la honte, c'est trop mal rangé. Oh, oh putain, j'ai pris une boîte. Dommage. Dommage, ouais. Ah putain, je me suis déboîté le leurre. Fais chier. Ah putain. Ah, ça commence à, là, ouais, à me toucher un peu le froid là. Oui. Voilà. Oh putain. Non, tu l'as pas perdu. Pété. Pété. C'était pas vilain, je crois. Je crois que c'était pas vilain en plus. En même temps, j'aimerais pas mettre la main dans l'eau là tout de suite, tu vois. Non. Donc ça m'arrange qu'il n'y ait pas de poisson. Bon, mais comme vous le voyez, on est sur le fameux étang privé. On est arrivé avec Léo et Flo. Et ben, un petit vent du nord sympathique quand même ce matin. Donc on a commencé à pêcher, je sais pas, vers 9h, 10h, un truc comme ça. Bon, on a pêché quoi, 2h à peu près, 2-3 heures. Ouais. Bon, on n'a rien fait du tout, c'est comme ça, c'est pas toujours facile le privé, hein. Mais bon, on va faire une pause pour manger, puis après on y retourne et puis on va faire du fish. On l'espère. Hein. Et si le vent s'est calmé, ça serait peut-être sympa. On va prendre le soleil un petit peu, on va se mettre bien, tranquille. Poisson. Yes. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais les mecs, sans déconner, on a la choumoune. Hein. Ah non, bah, y a alors le truc pire que de faire un capot, c'est de faire ça. Peut-être que je vais faire une micro-pause quand même à un moment donné, quoi. Il était gros? Tu veux pas savoir? Tu l'as pas vu? En fait, non, ça m'a mis une roupette à l'arrivée là et. Putain, mais ils aiment bien ton petit coloris rosé là, rosacé là. Allez, les gars là! Allez, 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 faut pêcher là, s'ils sont actifs, ils vont retaper. C'est parti! Un seul poisson, mais un gros, c'est bon. Poisson, ben voilà, il lâche pas celui-là, c'est gros. Ah ouais, les gars, parce que des fois les plus gros c'est pas les plus violents, hein. Tu le prends. Ouf. Ouais, il est joli. Beau bébé. Ouais, il y a un petit rush. Au revoir. Bye. Tu subis un peu là. Un peu. Hop là. Boum. Ouf, ça fait 90 plus. Hey. Check it out.
Ah super, merci. Bon Léo, pour nous c'est que la pause. Ouais, okay. Pour nous c'est que la pause. Voilà, bon Flo nous quitte puisqu'il a un rendez-vous. Sur le bateau, on va accueillir avec nous le propriétaire de l'étang qui connaît très très bien, et du bateau, qui connaît très bien les lieux, et son fiston. Ah, joli. Petit brochet. Allez, Mimi. C'est vrai qu'il est un peu le palo. Nickel. Ouais. Mais c'est le patron ici, il est chez lui, c'est normal. Il les connaît tous les poissons. C'est lui qui les a mis un par un comme ça. C'est quoi ça? C'est un broc, tu penses, ouais? Attends, on va sortir tout là. Sérieux? Ah oui, il est mis le bétail. Bon, allez! Excellent ça! Ouf! Punition! Ah, il connaît les lieux, hein! Ouais! Bravo, bravo. C'est la fin des haricots. Ouais, ouais. Bon, mais merci de nous avoir accueillis sur ton étang. En tout cas, on aura vu donc trois poissons, puis deux très beaux, quoi. Très belle journée. Merci encore. Avec plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Scarla Fishing. Ciao. Ça secoue, hein. Oh.